Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver pour une autre dimension dans le combat spirituel. C'est toujours votre serviteur, votre compagnon dans le combat spirituel, Pasteur Letes Vilsain. Ou même qui déjà abonné avec Charnel là. Ou même qui tombé sous vidéo ça par hasard. Vous mettez abonné Kounia et puis partagez vidéo ça avec l'autre ami ou qui n'a un combat contre sorcier, qui n'a un combat contre diable racial, qui n'a un combat contre diable expédié. Rêtez sous Charnel combat spirituel là avec serviteur ou pasteur des Tests du Saint. Mais avant tout, avant nous entrer non, sujet ça. Avant nous entrer dans gros déclaration yo. N'a demandé pour faire ça. Debout révolutionnaire. Debout soldat de Jésus-Christ. Debout combattant. Et pour répéter parole ça nous gain comme mot de passe. Satan, ou échoué déjà. Satan, ou vaincu déjà. Satan, ou perdu bataille déjà. Et nous allons aborder 9 paroles de combat spirituel. 9 paroles qui sont missiles, bombe atomique, explosion. Missiles, bombe atomique, explosion. Pour frapper le camp de l'ennemi. Et pour dérouter, nous allons répéter la parole. Nous allons répéter la parole. La journée, tant que la nuit. Lorsque le mal prend diverses dimensions en face ou bien dans la vie, vous devez toujours armer avec l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Et avec l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu, vous êtes capable de frapper et puis dérouter au nom puissant de Jésus. Nous allons aborder 9 paroles de combat spirituel qui c'est 9 gros déclarations que vous prenez qui c'est 9 missiles bombes atomiques, explosions pour frapper et dérouter tout l'ennemi qui t'a campé sur route qui t'a pris diverses formes. Première parole n'a pas gagné pour nous aborder, vous trouvez dans Jérémie chapitre 8 le verset 10. Il dit former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec moi. L'ennemi a formé des projets sous la vigne, mais il a détruit au nom de Jésus. Il a bâillé l'ordre pour ta fin avec nous, mais il a été sans effet, parce que Dieu est avec nous. Jérémie 8, le verset 10. 2. Étant enfant de Dieu, je prends autorité, j'anéantis et annule le projet de tous les ennemis qui méditent le mal contre moi, contre ma famille. Moi, détruis à toutes œuvres au nom puissant de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, moi prends autorité, moi anéantis, moi annule. Pour voir tout l'ennemi qui a médité mal contre moi, contre famille, moi détruis toutes œuvres au nom puissant de Jésus. Troisième parole, ou capable d'utiliser dans le combat spirituel, mes frères et sœurs. En tant qu'enfant de Dieu, moi prends autorité pour annuler tout projet et toute ordonnance que l'ennemi a lui-même organisé contre moi, contre famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais quatrième parole qu'a utilisé, étant qu'enfant de Dieu, moi prends autorité, moi envoyer le feu de Dieu pour détruire tout écran, pour détruire tout satellite diabolique que l'ennemi a utilisé pour contrôler la vie moi, pour contrôler la vie famille moi. Moi frappe yo avec du feu ciel là au nom puissant de Jésus. L'ennemi a pris diverses dimensions pour venir attaquer yo. Eh bien, on utilise des paroles fortes à yo.
qui c'est des missiles, des bombes atomiques pour frapper l'ennemi, pour anéantir l'ennemi. Parce que Satan, il perd la parole, parce que la parole est son épée à double tranchant. Et bien, cinquième parole, il dit que tout pouvoir maléfique qui travaille pour détourner, pour dévier destination, moi, me rend impuissant au nom de Jésus de Nazareth. Tout pouvoir maléfique, toute puissance mal, qui travaille contre destination, moi, qui travaille pour dévier destination, moi, me rend impuissant au nom de Jésus qui a tout pouvoir, qui a nos autorités. Il dit ça ne marche sous terre, il marche dans le ciel là. Ça me délague sous terre, il délague dans le ciel là. C'est pourquoi nous songeons, nous te disons que Satan n'est pas ni égal avec vous. Satan n'est pas ni supérieur avec vous. Ou plus fort parce que Satan. Ou supérieur à Satan. Satan n'est pas capable de river. Montre qu'il a saisi le droit que vous avez dans bon Dieu. Pour saisir le privilège que vous avez dans bon Dieu. Satan n'est pas capable de river. Pour le faire comprendre, le privilège ou gagner un bon Dieu, pas qu'à jouer. Ou recevoir autorité pour marcher sous lion, sous scorpion, sous baka, sous la spique, sirène des eaux, sirène de l'air, mons marin, l'esprit Léviathan, ou gagner pouvoir sous yo au nom de Jésus. Ou recommander, ou prendre autorité, ou annuler tout plan l'ennemi au nom de Jésus. Ou capable de répéter parole ça. Et tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, moi prends autorité pour me détruire toute flèche et toute l'autre attaque que Satan le diable a tout acolyte lui lancé contre moi et contre famille moi au nom puissant de Jésus. Parce que Satan a une coalition qui est faite, une coalition démoniaque et bien qui fait contre vous, qui est capable de faire contre famille. Qui permet que tout ça ou entreprendre, tout détruit. Tout ça ou entreprendre, ou menon la vie échec. Ou menon la vie, c'est seulement bataille ou a perdu. Eh bien, c'est depuis d'avance ou prend autorité. Et tant qu'enfant de Dieu, répétez parole ça. Moi prends autorité. En tant qu'enfant de Dieu, moi détruis toute flèche. Moi détruis toute l'autre attaque diabolique. Toute l'autre attaque démoniaque. Que l'ennemi a utilisé, que Satan le diable a utilisé, à tout acolyte pour lancer flèches contre moi et contre famille. Au nom puissant de Jésus, moi détruis, moi annule, moi carbonise, moi anéantis. Au nom puissant de Jésus. Répétez septième parole là, mes frères et sœurs. Moi déclarer en tant qu'enfant de Dieu que toute embuscade démoniaque, que toute embuscade satanique, qui dressait contre moi, qui dressait contre famille moi, nan sorti moi, nan entrer moi, nan virer moi, nan tourner moi. Moi prends autorité au nom puissant de Jésus, moi déclare que yo renversé kounya même au nom de Jésus. Ou même qui y a des embuscades que l'ennemi a dressé contre vous. Embuscades sataniques. Peu importe des embuscades là, nous déclare qu'il renversé au nom puissant de Jésus. Parce que gros pouvoir ciel là, il couvre nous. Huitième parole, vous besoin répéter. Répétez pour dire tout pouvoir maléfique qui lutte, tout pouvoir maléfique qui travaille la journée pour la nuit pour détourner destination moi. Tout pouvoir satanique, tout pouvoir maléfique qui lutte la journée pour la nuit. Pour bailler la vie dans l'autre direction, pour bailler destination dans l'autre direction à toute famille, eh bien, moi déclarer que yo rete nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir maléfique qui travaille la journée ou la nuit pour bailler la vie dans l'autre direction, pour bailler destination dans l'autre direction à toute famille, moi déclarer que yo rete nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Neuvième parole, mes frères et sœurs. Que toute attaque maléfique qui est organisée contre moi, contre famille moi, par des sorcières de ma famille, sorcières dans la famille, sorcières dans le voisinage,
Dans le quartier, moi déclare que vous êtes nul et sans effet, quelle que soit organisation qui fait dans le quartier, qui fait dans la commune, quel que soit côté vous faites, organisation des sorciers, nous déclare que vous êtes nul et sans effet parce que nous recevons autorité parce que Christ mettez toute autorité, tout pouvoir satanique en bas pied nous. Nous pas qu'à nous. C'est ça le dit nous dans le 10 verset 19. Il dit pouvoir l'ennemi en pas arriver nous parce que nous avons Dieu de l'Éternel qui sous nous. Nous déclarons espérer, mes frères et sœurs, que parole ça yo, nous répéter yo dans combat spirituel. Répéter yo à chaque attaque qui ennemi en lui-même veut faire sur la vie nous. Nous-mêmes pour nous connaître premièrement. Satan pas ni égal avec nous. Satan pas ni supérieur avec nous. Nous plus fort passer Satan. N'a frappé le très fort. Là nous lever main en l'air pour nous capable des hommes et des femmes terribles. Contre Satan le diable. Laisse nous lancer flèche qui c'est la parole de Dieu. Laisse nous lancer épée ça qui c'est la parole de Dieu. Et bien certainement n'a dérouté camp infernal là. N'a marché plus que vainqueur, de victoire en victoire. Oui, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passe avec, que bon Dieu protège, rend nous ferme inébranlable dans toute attaque yo, dans toute confrontation yo au nom puissant de Jésus. Que bon Dieu bénisse, n'a rencontré encore semaine prochaine si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse.